Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur. Mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs et chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'Évangile, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, Jésus a pris la ferme décision de se mettre en route pour Jérusalem. Cette observation dans l'Évangile de Luc marque un passage décisif dans le récit de l'histoire de Jésus dans son Évangile, dans le sens de présenter Jésus comme une bonne nouvelle, de présenter ce mouvement décisif et conscient de Jésus vers Jérusalem, le lieu où il sera élevé en haut, le lieu du témoignage de l'amour de Dieu le Père, par son don total de soi, qui est ensuite sa passion, sa mort et sa résurrection. Jésus prend donc cette décision et se met en route. Ce voyage qui demande du temps, de la persévérance, est un voyage que Jésus veut faire ensemble et qu'il veut faire en rencontrant ceux que sur le chemin et il pourra rencontrer à son tour, un voyage qui devient donc l'occasion de rencontres heureuses, mais aussi de rencontres malheureuses. Et puis, il y a ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Ceux qui ont réellement entrepris de suivre Jésus, ceux qui voudraient le faire, ceux qui se présentent comme prêts, mais qui en réalité ne le sont pas. En fait, chers frères et sœurs, Jésus n'exige rien. Il demande seulement à chacun de reconnaître quel est le mystère qu'il apporte. Et donc, nous qui sommes chrétiens, nous qui célébrons l'Eucharistie aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, demandons-lui de pouvoir célébrer avec joie cette décision ferme que nous aussi nous allons à Jérusalem. Cette décision, nous la prenons encore aujourd'hui avec celui qui s'offre pour témoigner de l'amour de Dieu et sauver le monde. Ce mouvement de Jésus
a été la source de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, et il est aussi la source de notre témoignage. Alors que le Seigneur nous aide à suivre ce sillage de Jésus, à être en chemin avec lui, surtout à purifier nos intentions et à enlever tout ce qui nous empêche de le suivre et d'être ses témoins. Saint Paul de la Croix, fondateur de la communauté des passionnistes, a écrit ceci à un jeune homme qui voulait entrer dans la congrégation, mais ne pouvait pas se décider. Il disait donc, et c'est très important de le dire aussi lentement possible, « Viens, Dieu et la Sainte Vierge t'attendent, surmonte les premières difficultés. L'étape la plus difficile, celle de quitter la maison. » Sainte Thérèse, en quittant sa maison pour aller au monastère, a semblé arracher son cœur de sa poitrine. Mais elle a surmonté tout cela et est maintenant une sainte. Très chers frères et sœurs, partageons ensemble cette parole, cette méditation avec nos proches. C'est aussi une manière pour nous de quitter donc nos foyers et de partager, de suivre Jésus sur ce chemin qui n'est pas facile. À tous et à toutes, bon dimanche, que le Seigneur soit avec vous.